Bonjour les gars, bienvenue au briefing de ce championnat du monde. C'est un parcours presque totalement plat cette année. Il y a bien une petite bosse de 2 km, mais il faudrait vraiment être mal en point pour se faire lâcher ici. Le circuit fait 19,4 km et 13 tours sont prévus, soit plus de 250 km. On va avoir du mal à rivaliser avec les autres nations. Un top 10 serait un bon résultat. Bonjour et bienvenue au Danemark pour les championnats du monde de cyclisme sur route. Cette année, les sprinteurs auront de grandes ambitions. Avec un circuit de 27 km, sans aucune aspérité ou presque, les chances d'assister à un sprint massif pour décerner le maillot arc-en-ciel sont au maximum. Les gars, comme d'habitude, pour les championnats du monde, la distance est très longue. Le circuit de cette année est presque tout plat, mais attention quand même. À une dizaine de kilomètres de l'arrivée, il y a une bosse. Ça ne dépasse pas 6% de pente et c'est court. Mais après 250 bornes, ça risque de piquer les jambes. Bon championnat! Les coureurs viennent de s'élancer et ça attaque déjà. C'est agité, nouvelle attaque! Ok, j'ai attaqué. Ok. J'ai attaqué. Thank you.
Ok, j'ai attaqué. L'échappée perd du terrain. L'écart reste stable entre le peloton et l'échappée.
guys. Yes. 30 secondes d'avance pour la tête de course. Peloton groupé. Ça marche. Je ravitaille. C'est un peloton groupé qui entame la dernière portion montante de ce championnat. Ok, j'ai attaqué. On est à 10 km de l'arrivée, les échappés font de la résistance, mais avec moins d'une minute d'avance, cela leur sera quasiment impossible de résister au retour du peloton. Bravo les gars! Regroupement général, tout va donc se jouer dans le final. Celui-là, il essaye de piéger les sprinteurs. Attention, il va essayer de partir en contre. Plus que 3 km pour départager les échappés. Si certains veulent éviter le sprint, ils ne doivent plus attendre.
Le peloton est tout proche maintenant. Le titre va se jouer dans le dernier kilomètre. Mesdames et messieurs, voici le nouveau champion du monde!